Étudiantes, étudiants, bonjour. Bienvenue dans cette quatrième capsule info mise à votre disposition par le Carrefour technopédagogique du Cégep de Victoriaville. Cette capsule est dédiée à l'installation et l'utilisation de l'application Teams comprise dans la suite Office 365 qui vous est offerte gratuitement lors de votre admission. Pour accéder à Teams via le web, dirigez-vous vers l'adresse suivante www.office.com. Vous aurez ensuite à vous connecter à votre compte Microsoft tel qu'expliqué dans la vidéo précédente dédiée à l'installation d'Office 365. Petit rappel concernant la connexion, vous aurez besoin de votre courriel composé de votre numéro d'admission à 7 chiffres suivi de acommercialetudiant.cgepvicto.ca ainsi que de votre code permanent qui fait office de mot de passe de votre compte Microsoft. Encore une fois, lors de la saisie de votre code permanent, n'oubliez pas d'inscrire les majuscules. Une fois connecté, vous serez automatiquement redirigé vers la page d'accueil d'Office 365. Vous n'aurez ensuite qu'à appuyer sur l'icône Teams afin de démarrer l'application. Nous vous suggérons fortement de télécharger l'application directement sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Ceci permet plus de stabilité lors de l'utilisation de Teams, spécialement pour tout ce qui entoure les visioconférences. Pour ce faire, vous n'avez qu'à accéder à l'application en ligne. Une fois connecté, cliquez sur vos initiales ou votre photo de profil se trouvant en haut et à droite de la fenêtre. Vous aurez alors la possibilité de télécharger l'application sur l'appareil de votre choix. Choisissez l'option qui vous intéresse et vous verrez apparaître une fenêtre de téléchargement au bas de votre écran. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Exécuter » pour démarrer l'installation. Une fois l'installation complétée, vous retrouverez une icône de Teams directement sur votre bureau d'ordinateur. L'application s'affichera également dans la liste des programmes actifs dans celui-ci. Maintenant que vous êtes connecté à Teams via l'application, vous serez automatiquement redirigé vers l'onglet « Équipe ». Vous serez ensuite invité à créer une nouvelle équipe ou à en rejoindre une déjà existante grâce à un code. Ces codes vous seront transmis par vos enseignants et enseignantes, le cas échéant. Il se peut que vous soyez déjà membre d'une ou plusieurs équipes selon les demandes faites au Carrefour par les enseignants et enseignantes. Effectuons maintenant un survol des différentes fonctionnalités offertes par l'application Teams. Débutons tout en haut avec l'onglet « Activités ». Celle-ci vous permet d'obtenir un résumé rapide de tout ce qui se déroule dans vos différentes équipes, que ce soit des réactions à vos différentes interventions, des notifications indiquant que votre nom a été mentionné dans une conversation et plus encore. L'onglet « Conversation », comme son nom l'indique, comprend tous les fils de discussion auxquels vous avez participé, vous permettant ainsi de revenir sur certaines discussions importantes ou simplement démarrer de nouvelles conversations. Comme pour la plupart des applications de clavardage, vous pourrez y téléverser des fichiers et les partager à vos professeurs ou vos équipiers, que ce soit à partir de votre ordinateur ou de votre plateforme infonuagique OneDrive. Cette application est également incluse dans votre abonnement. Cette fenêtre vous permet quelques options supplémentaires, comme par exemple la possibilité d'ajouter des émoticônes à votre discussion. Tel que vu rapidement tout à l'heure, l'onglet « Équipe » comprend tous les groupes auxquels vous êtes inscrit, que ce soit les groupes que vous avez vous-même créés ou les groupes que vous avez rejoints. Il vous est possible de rajouter un canal de discussion à même l'équipe désirée et ensuite d'y ajouter des membres, ce qui peut être très utile notamment pour les travaux en équipe. Certains professeurs pourront également vous transmettre des devoirs via l'onglet de l'équipe lié à leur cours. Pour ce qui est du calendrier, encore une fois, rien de plus simple. Cet onglet vous indique toutes les réunions auxquelles vous êtes conviés. Vous pouvez également planifier de nouvelles réunions vous-même selon vos besoins. Pour accéder à une réunion ou en créer une nouvelle, vous devrez justement passer par l'onglet « Calendrier ». En haut et à droite de la fenêtre, vous retrouverez les options suivantes « Rejoindre maintenant » et « Nouvelle réunion ». La première option vous permet de démarrer une réunion privée rapidement. La seconde, quant à elle, vous offre la possibilité de planifier une réunion future ou une diffusion en direct. Une fois votre réunion démarrée, une boîte apparaîtra au centre de votre écran vous permettant de vérifier vos réglages audio et vidéo. Vous pourrez changer de périphérique si nécessaire afin de vous assurer de ne rien manquer. Vous aurez accès à la réunion une fois que vous aurez cliqué sur « Rejoindre maintenant ». Vous devriez alors voir votre diffusion vidéo ainsi que certaines options se situant au centre et au bas de votre fenêtre.
L'icône en forme de caméra vous permet d'activer ou de désactiver votre diffusion vidéo. L'icône en forme de microphone vous permet d'activer ou de désactiver celui-ci. Dans le cas où vous auriez des documents à partager avec les autres participants et participantes, cliquez sur l'icône de partage d'écran et choisissez simplement le document désiré. En cliquant sur les points de suspension, vous aurez accès à quelques options supplémentaires telles que afficher les paramètres de périphérique pour modifier vos entrées audio et vidéo, passer en mode plein écran, afficher certains effets d'arrière-plan et démarrer l'enregistrement de la réunion. Petit truc en passant, si vous devez consulter un de ces onglets en cours de réunion, aucun problème. Celle-ci restera en mortaise le temps de votre consultation. Vous n'aurez qu'à cliquer sur cette fenêtre réduite afin d'y retourner. L'icône en forme de main vous permet de signifier à votre enseignant ou enseignante que vous avez une question. Ceux-ci seront aussitôt notifiés de votre intervention. Si toutefois la question est posée par une autre personne avant votre tour, vous pouvez la rebaisser. L'icône suivante, celle en forme de bulle de texte, est en fait un fil de conversation. Une boîte de clavardage un peu comme celle vue précédemment, à la différence qu'elle implique uniquement les participants à la réunion. L'icône « Participants » vous permet de consulter la liste des personnes présentes et d'en ajouter en cas d'oubli ou d'ajout de dernière minute. Et finalement, un dernier icône, le téléphone rouge. Cette icône vous permet sans surprise de quitter la réunion en cours. Bon, où en étions-nous avec nos onglets? Ah oui, le prochain, soit appel. Celui-ci vous offre la possibilité de rapidement communiquer de vive voix avec un de vos contacts. Vous pouvez également créer des groupes et faire des appels à plusieurs selon les paramètres que vous aurez établis au préalable. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur un nouveau groupe, de lui attribuer un nom et ensuite, il ne vous reste qu'à y ajouter les participants désirés. Et finalement, le dernier onglet intitulé « Fichiers » vous permet de consulter rapidement tous les fichiers reçus ou partagés avec vos différentes équipes, ce qui facilite grandement les recherches. Et voilà! Avec ces informations, vous êtes fin prêt à utiliser Teams. Pour avoir accès à tous les documents entourant l'utilisation des différents outils mis à votre disposition par le Carrefour, je vous invite à consulter la section du Carrefour technopédagogique via le portail Omnivox. En cas de problème, n'hésitez surtout pas à venir nous visiter au Cégep de Victoriaville, au local C206, à l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie de Montréal, au local 309, ou à nous écrire au info.carrefour@commercialcegepvicto.ca. Il nous fera plaisir de vous aider. Voilà ce qui conclut cette quatrième capsule info du Carrefour technopédagogique du Cégep de Victoriaville. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne afin d'avoir accès à toutes les capsules et être notifié des nouveaux vidéos. Étudiantes, étudiants, merci et à bientôt pour une nouvelle capsule info.